principalement, ça consiste à créer des applications ou des sites web. Donc, ça va être des plateformes e-commerce, des blogs. Ça peut être un site de présentation, ça peut être un portfolio, ça peut être tout un tas de choses. Et moi, mon métier actuel, c'est développeuse open source. Et mon but à moi, c'est de créer des logiciels open source. Et je crée des plugins à des logiciels déjà créés. Et ensuite, on vend ces logiciels et ces plugins à des entreprises. On avait beaucoup de pratiques, très peu de théorie. Donc, on n'avait que le matin de théorie et toutes les après-midi en pratique. On avait des projets à effectuer, donc on a eu des projets assez variés pour voir un peu la globalité de ce qu'on pourrait faire plus tard en tant que développeur web. Les après-midi, on travaillait en groupe sur nos projets, en groupe ou seul, hein, ça dépendait des projets. Dans tous les cas, on s'entraidait beaucoup et puis nos formateurs étaient là pour nous aider.